Et c'est à nouveau le grand rush dans les transports en Chine. La fête du printemps arrivant à son terme, la population retourne dans les grandes villes et les étudiants dans les universités. Dimanche, quelques 8 millions de trajets ont été effectués dans tout le pays. Dans le sud-ouest, à Kunming, la capitale de la province du Hunan, le froid a poussé la population à privilégier le train, la route ou à l'avion. Dans le sud, à Guangzhou, capitale de la province du Guangdong, des mesures de contingence ont été prises pour faire face à l'afflux de voyageurs. Dans la gare ont été installées 60 machines de vente de billets. Et dans tout le pays, les transports publics voient leurs horaires de fonctionnement allongés. À Chengdu, capitale de la province, les billets des trains à grande vitesse à destination de grandes villes telles que Beijing et Shenzhen sont épuisés. Il ne reste que des billets pour les trains ordinaires.